Mais c'est la difficulté en vrai. Si on veut, on... Non, mais j'ai pas envie de mourir. J'ai joué à Dark Descent, mais j'ai pas joué à Machine of Pig. Est-ce qu'il faut avoir joué avant de jouer à celui-là? ZNK, merci bébé, je t'aime. Ouais, les gars, c'est pas moi. Le son, c'est pas moi, les gars. C'est le truc qui pète un plomb. Pas bien. Ok. Attends, faut que je baisse la difficulté parce qu'en vrai, pas de mourir. Sous-raid. Sous-raid. Alors. Ah oui, j'ai activé la vapeur. Et du coup, là, je dois aller dans le bureau du directeur. Pourquoi t'as décidé de faire ça à la fin? Ah, la difficulté là? Parce que, en fait, alors pour ceux qui n'étaient pas là hier, très bonne question. Xenvax, merci pour les 3 subgifts, frérot. Zenkayo, merci encore une fois pour ce gift à Drunkelis, welcome to you, friend. Et bienvenue au nouveau, bienvenue à vous les potes, bienvenue Jinro, bienvenue Royce, El Niro. Welcome, guys. Pourquoi j'ai décidé de faire ça en fin de let's play? Parce que, normalement, dans tous les épisodes, vous avez genre 4 personnages, ok? Sauf que dans celui-là, t'as que 2 personnages. Et en fait, le premier personnage est déjà mort. Donc là, c'est le dernier personnage. Si jamais il meurt, je recommence tout le chapitre depuis le début. Or, j'ai déjà recommencé hier 3 fois. Ok? Et que j'ai pas envie de recommencer une 4ème fois. Donc, du coup, je me dis, c'est ok. Tranquille. Et puis, ouais. Les dons par semaine ne marchent pas. Si. Si ça doit marcher, je pense. Je crois. Au pire, PayPal. I don't know, man. Bonap, t'es mort hier avec la meuf. Oui, je me suis mort avec la meuf et du coup là je joue avec Daniel. Et là, si je meurs maintenant, je recommence tout depuis le début. Et flemme. On dirait que les phonographes qu'ils utilisent pour enregistrer des interviews, toute attente, je pense que ça marche encore. Ah oui! Faut juste le phonographe pour voir le rêve de l'autre. Ouais, c'est vrai. J'ai oublié. Merci beaucoup, ZenMax. Merci frérot. Merci à tous les subdonateurs. Je vous aime. Ouais, il est dur le chapitre. J'aime ce qui est dur. But on the other, I need to know what's happening. I need to understand the dreams this place causes in me and the visions I've had these past few days. It's pitch black outside and the old mansion is even more menacing than before. I've taken out my last 2 candles but lighted only 1 in case I wake up before dawn. It would terrify me to be here, alone in the dark. I'm in Ariadne's room again. Merci Zenkayo, merci mon frérot. Je t'aime. Je t'aime. Is this the same dream? Guys, n'hésitez pas à follow la chaîne. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore follow la chaîne. C'est gratuit, je vous rappelle. Et il n'y a pas de ciel, pas d'horizon, juste de l'obscurité. J'aime ce qui est noir. Et du coup, ça aide. Du coup, la chaîne a monté aux 500 000 abonnés. C'est cool. Donc n'hésitez pas à follow, ceux qui n'ont pas encore follow. Yo, Jimota. Ça va et toi? Oh, je me sens mal. Oh putain, je me sens mal les gars. Oh. Ah oui, on n'a pas de carte, c'est vrai. Putain, j'adore les graines. Mais le problème des graines, c'est que ça te met des débris partout dans la bouche. Alors, j'adore avoir des trucs dans la bouche, tu vois. Mais pas des graines. Des trucs un peu plus... Ouais. La mort est de partout dans cet endroit.
Le blanc te va ravir. Ah, merci. Bah, Moscou, comment ça va? Agadir Moscou. Ah. Ah. Comment va? Comment vas-tu? Toutes les bouteilles contiennent du poison. Piave la bouteille, oui ou non? Attends, c'est quoi ça? Mais c'est quoi? C'est pour mettre la bouche dans le glory hole en mode comme ça? Réveille-toi, réveille-toi! Est-ce que je dois me réveiller? Si je me réveille, comment vais-je aider Ariana Grande? Putain, mais réveille-toi! Ah, moi ça va. Ça va, ça va. Merci, merci aux personnes qui demandent pour savoir comment je vais. Genre, c'est vraiment les meilleures personnes, je vous aime beaucoup. Vous autres, vous êtes des chacals. Tout est recouvert de rouille. Est-ce que c'est l'hôpital? Pourquoi est-ce qu'on dirait que des siècles ont passé? La porte est coincée, Dieu merci. Ah. Thank you. Le jeu est très punitif, de ouf. Mais en fait, le jeu, la difficulté est mal équilibrée. Genre la fin est vraiment trop dure par rapport à tout le jeu. Tout le jeu, tu sais, genre ok, mais la fin est vraiment difficile. Mon Dieu, est-ce notre destin? We can speak English here. That's very... Melly? C'est comme si ces instruments ont été là... à l'air libre depuis 1000 ans. 100 ans. Putain, il sait pas lire les chiffres, la teon. Il y a une serrure sur la porte. Who are you? Are you also me? The dream catcher. Give it to me. You don't need it. La meuf, elle fait peur, gros. Song of Glory Hall, un jeu long et dur. Désolé, mon attrape-rêve. Qu'est-ce qui va m'arriver si je le perds? Oui ou non? Ah non. Oh non, j'aime pas ces choix. Merci. Bonsoir, Sarah. Comment ça va? Non, mais j'aime pas ces choix, les gars. Est-ce qu'on nous donne notre attrape-rêve? Merci Drose pour les 4 mois de sub. Mais réveille-toi, putain! Théo! ZDT, merci beaucoup pour le Prime. Merci mon frérot. Comment vas-tu? Les gars, comment on fait? On donne ou pas? Donne! On donne? Ok. On donne, hein! Sans le piège, si tu lui donnes. Au pire, tu respawns. Ah. Je t'aime. Thank oh, you. Trop mignon. Je t'aime aussi, bébé. Ok, je donne. Oh, on a eu la clé. Oh, si, merde. Clé mystérieuse. Clé trouvée dans un rêve. Ah, bah, c'est comme moi quand je trouve des clés de cyberpunk. D'aller en bas. No choice, I must keep going. Attends, je peux parler à la meuf ou pas? D'accord. What should I do? Shouldn't I wake up? No. If you wake up, you'll never know what's happening to Ariadne. Or to you. Je te continue d'avancer, ok. Les gars, je commence à flipper en vrai.
presque tous entendu la chanson. Est-ce qu'on va finir comme ça? Ah, ils ont entendu la chanson d'Ariana Grande. Tu vois, c'est fait exprès en fait. Donc en gros, je devais mourir en fait avec Sophie. Donc en fait, c'est scripté, je devais mourir en fait. Attends, je mange un peu de graines de chia. J'adore ce jeu. Incroyable. Ok. Il n'y a qu'une seule issue. Only one way out. What does that mean? Non, pourquoi? J'ai besoin d'un pinceau. Comme ça pourrait m'aider à m'échapper. C'est un peu fin, non, pour être inséré. Where did that come from? What's going on? I don't like this. Yes. Ah, c'est pour suicider. Ah, ok. Je pensais que c'était pour autre chose, moi. Alors, je comprends pas trop, moi. Tu sais, les jeux comme ça, c'est pas trop mon truc. Hein. Pour qu'elle se rase les bûches et qu'elle fasse la barbe et tout. La moustache. No, that can't be. Là, je dis ce nœud coulant, c'est pas vrai. Ah. Je connais. Tout ce qui est kinky et tout le bordel, quoi. T'inquiète, je connais. Ah, de l'arsenic! Bonne reçue. Est-ce que je dois boire cette bouteille? Bah non. T'es ouf, toi. Ah, c'est du parfum! Ah, c'est du parfum! Ah, bah oui! Ah, oui, bah vas-y, mais du parfum! Ah, oui. Faut être fraîche. Ah, c'est du parfum pour la bouche! Ah non. That was. Why would I do something like that? I know I'm closer to understanding something, to finding that last puzzle piece. But I also realize there's no turning back. I feel like I've broken something inside of me that can't be mended. Each dream feels closer to that place and further from reality. It's still dark outside. But it seems like the candle burned out a while ago. It must be close to dawn. Yes, it can't be long now. I have to find answers. Get to the bottom of this matter. Understand Ariadne and what is happening to me. Oh God, Berenice, tell me you understood. I need to find the next recording. Eh hey, mais ce jeu, j'ai un peu peur quand même. Ok. Let's go.
Pourquoi je peux encore interagir avec? Je l'ai fait au pif! Il a mis l'aiguille. Ah! Genre l'aiguille était abîmée, c'est ça? Et du coup, j'ai réparé l'aiguille du phonographe avec l'aiguille que j'ai trouvée, la seringue. C'est insane! Ok, donc là, je dois retourner dans le bureau du directeur. Mec, je l'ai fait au pif! Je l'ai fait au pif! Donc là, je me suis dit actuellement, donc bye. Bisous, Tom! Bonne soirée, gros. Ça se passe pas, jeu d'horreur. Hein. Les vieux journaux, même si je voulais les lire, ils sont trop abîmés pour que je puisse les tenir, ok. C'est là, hein. Ouais, c'est là. Enregistrement 3 de Bérénice Prestgard. Un cylindre dur en cire et une aiguille. Avec une aiguille pour la gravure. J'ai trouvé un photographe encore en état de marche si je veux l'écouter. Alright, man. Intéressant, ok. J'arrive pas à comprendre comment tu peux boire de la vitelle, Snaku. C'est un goût de robinet du bled qui donne la chasse des... Mais gros, mais t'es fou, quoi. Eh, hey, parle pas comme de la vitelle, hein, je sais tout de suite, hein, je vais te niquer. La vitelle, c'est la meilleure eau du monde. Avec la Volvic, c'est la meilleure eau, ok. Donc tu parles encore de mal de la vitelle, je te nique. Dernier enregistrement, les gars. Connard. Golden, ça va quoi? This place, that thing, the presence. That's what Argos Legrand called that horror. Now I know why. It's anywhere the song is. In the hospital, in Ariadne, in me, everywhere. Maybe there's no solution. Maybe it isn't something you can just end. But maybe cut it off from everything, from this world. Burn the bridge. Return the song to whence it came. If I take the box to that place, if I leave it there, with the presence, I need to push forward just a little longer. I need to understand. I need to put an end to this. I need to go there. I need to know. I need to make it. Troisième rêve. Cristalline, c'est bien, mais c'est comme Vittel. C'est comme Evian, il n'y a pas de goût. Ariadne, do you need my help or do I need yours? C'est des os en fait qui n'ont pas. C'est des os qui n'ont pas de goût en fait. Donc en vrai, ouais. C'est pour ça que j'ai jamais de la vitelle. C'est pas que j'ai jamais de la viande, enfin rarement de la viande et rarement de la cristalline, c'est parce que c'est des os qui ont pas de goût, de... Putain, j'ai du mal, c'est des os qui ont pas de goût. Mm-hmm. L'obscurité, je vois une lueur hypnotique, terne et verte. C'est le but. Mais non, t'es fou mec, j'adore avoir un petit goût dans les os que je bois. Bon, j'avoue que la Contrex, je peux pas. Contrex, les gars, c'est trop hardcore, le goût est trop hardcore. L'ur se détériore, elle laisse sa place à quelque chose d'autre, d'ailleurs. Down. Always down. Ah, elle a pas de lumière. Épar, j'ai jamais goûté. Je sais pas si j'ai goûté Épar. Je suis comme toi, Arquito. J'aime toutes les eaux, à part celles qui pétillent. J'aime pas les eaux gazeuses. Pas fan. Volvic, ah mais de ouf. Mec, Team Volvic, Team Vittel, tout ce qui commence par V. C'est la vie.
C'est vrai, Brudoir. Mec, contacte-les, dis-leur, il y a Sadako qui veut un partenariat avec Vittel. Vie, comme dans Cyberpunk. Tout est lié, les gars. Tout est lié. L'eau de luxe, Voss. Cette merde-là. C'est éclaté. Je vous avoue, c'est par V, mais ça a mauvais goût, j'aime pas. C'est pas bon. Et la bouteille coûte 7 euros. Wesh, et 8 ans pour descendre toi. Ah, Hamdoul, elle est arrivée. Je crois qu'elle va jamais descendre. Non, je vous jure, Voss s'est éclaté. Après, je pense que ça dépend, mais ce que t'aimes, mais en vrai, Voss. Dude, Voss, je l'ai acheté parce que la bouteille était, me paraissait belle et tout. Et tu sais que je voulais goûter, j'ai jamais goûté des nouvelles eaux. Et je suis arrivé à la caisse, la meuf elle m'a dit 7 euros. 8 euros, je crois. J'ai regardé, je lui ai dit. Pourquoi ? Elle m'a dit bah la bouteille, j'étais en mode. Non, mais c'est pareil, hey, l'eau Fiji là. L'eau Fiji, tu sais. Gros, ça c'est notre bouffon. C'est nous en fait que tout le monde achète. C'est pourquoi ? Parce qu'ils voient leur star télé-réalité qui achète ces eaux. Mais elle est éclatée, l'eau Fiji. Hein. Je l'ai goûtée, elle est éclatée. Hein. Elle est normale. Mais les gens, ils aiment acheter parce que, en fait, bah forcément, Weshden et tout le monde achète, en fait, tu vois. Mais gros. Eh, la Vittel, ça a fait sa bête à fond. Ah, d'ouf, c'est full scam. Juste parce qu'il y a une fleur dessus. Et en plus, ça coûte cher. Hein. L'eau. Oh, c'est qui ça? Peut-être que si j'éteins la lanterne. Mais n'est-ce pas moi? Qu'est-ce qui se passera si je l'éteins? Est-ce que je dois l'éteindre? Oui ou non? Non. Non. La figure noire, la présence là. Non mais les gars, on va pas éteindre la lumière. Il faut éteindre la lumière. À Darren, de Fellow, merci pour les 4 mois. Ben, merci beaucoup pour les 24 mois de sub, 2 ans de soutien. That's my boy. Merci beaucoup. Merci Zenkayo pour les 10 euros, merci Théo pour le prime, merci Drowsdux pour les 4 mois de sub. Mais réveille-toi, putain, réveille-vous les gars. Allez go, ça part de là. T'as peur du noir, moi? Non, là j'éteins. I'm so sorry. I'm running out of time. Ariadne was right. She was right about everything. I've seen it with my own eyes, even if it was in dreams. It's true. That place. The presence. I know what I have to do. Now that I'm awake, I need to get the music box and find a way to take it there. Yes. I solved this riddle. Now that I'm awake, I can put an end to this horror once and for all. Now that I'm awake, I can awake. Oh.
peur, putain. Final episode, ladies and gentlemen. Final episode. Let's roll. Ouais, c'est la fin. C'est l'épilogue. What saved Ariadne would not save me. She had grown up with that melody. Écoutez. And had developed a mind so distorted that it could withstand the horrors it saw each day. But there was another way out. To break the connection between our reality and that terrible place. To take the song and its nightmares to their place of origin. I was the only person who could do it. The only one who had heard the melody and, so far, lived to tell the story. Time was running out. The mansion was still far away, and my damned car chose that precise moment to go belly up. Everything seemed to conspire against me, but I wasn't about to give up. There wasn't much time left, but I knew I still had a chance. En gros, si vous voulez, on doit... En fait, on doit rompre la malédiction en fait, de la boîte à musique. Et le seul moyen de rompre cette malédiction, en fait, c'est de ne pas, entre guillemets, succomber et mourir. Parce qu'en fait, finalement, pour ceux qui n'auront pas compris, dès que tu écoutes la mélodie, tu meurs. Dès que tu écoutes la musique, tu meurs, ok? Elle est maudite. Et le seul moyen... Et le seul moyen en fait de rompre la malédiction, c'est de prendre la boîte à musique et de l'amener en fait là où tout a commencé. Donc là où était la meuf là, Bérénice, je sais pas quoi là. Et l'idée en fait, c'est pourquoi en fait Adriana et je sais pas quoi là, genre Ariana Grande on l'appelle, pourquoi elle est pas morte? C'est parce qu'en fait depuis sa plus tendre enfance, donc dès qu'elle est née, en fait son esprit et son corps en fait se sont habitués en fait à cette présence démoniaque et du coup en fait elle a grandi avec. Or un être humain, un adulte qui écoute la mélodie de maintenant ne peut pas en fait vivre avec et du coup finalement finit par sombrer dans la folie et mourir. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut arriver à reprendre cette boîte à musique et l'amener là où tout a commencé. Suivez un peu putain. Merci beaucoup Génistan, merci Numurzo pour les 3 mois, merci les Daron de Feno pour les 4 mois, merci les potes, je vous aime. On, you got this. Non, en fait, apparemment, quand tu entends la musique, tu te viens obsédé par la musique et en fait tu ne fais que l'écouter en boucle, enfin l'entendre en boucle, etc. Et en fait ça devient ton obsession et du coup elle finit par te ronger, t'absorber. Et en fait l'entité, comme ils appellent la présence, tu vois, en fait t'attire et en fait elle te happe ton âme et ton esprit et tu finis par mourir en fait. Et du coup tu finis par te suicider. C'est pour ça que tous ceux qui ont écouté la musique, tu vois, Isaac, Usher et tout, sont finis genre, tu sais, on les a retrouvés genre pendus ou suicidés parce que en fait elle te pousse au suicide la musique, tu vois. Et du coup c'est le seul moyen d'arrêter ça en fait, c'est bah du coup de faire ce qu'il va faire, tu vois, maintenant. Oh, vous suivez pas, putain. Je n'arrive pas à voir Ariana d'ici. Et je n'ai remarqué aucune activité à l'intérieur de la maison. Ça fait rire d'un bouffe. She doesn't answer. I should go inside. Ah, c'est pas la musique de l'autre là? I have to find her and ask her about the music box. C'est pas la musique de l'autre là? Ouais, j'ai mis en facilité. Ah, attends, du coup, maintenant je suis en temps difficile maintenant.
C'est bon, j'ai passé le... J'ai passé le passage, c'est bon. Maintenant, on peut m'attendre difficile. Tu peux pas les défoncer, ça marche pas. De petites boîtes et décorations en métal, ternies et mal entretenues. Putain, y'a pas de carte cette fois-ci dans ce niveau. Fuck. Sorti 28 septembre 1998, auteur Étienne Bertrand. Hein? But what? Hein? It can't be. It doesn't make sense. Ça n'a pas de sens. Pourquoi il y aurait un Arthur Bertrand maintenant? Un pénétrement du 19e siècle. La lampe est tombée du plafond et a écrasé tout ce qu'il y avait en dessous. Personne n'a semblé se soucier de nettoyer le désordre. Ça ne s'ouvre pas. Merci beaucoup, monsieur Lowrider. Merci, Versatis, pour les 9 et 15 mois, les gars. Merci, Ghoul Tokyo. Ghoul Kyoto, pardon. Tokyo Ghoul, la vase. Merci beaucoup, frérot. Merci. Si jamais il y a eu des oiseaux ici, c'était il y a bien longtemps de cela. Un miroir cassé, c'est probablement Argos le Grand qui l'a fait. Je ne pense pas qu'Adriana ait jamais été invitée à les casser, comme toutes les autres victimes de la chanson. Une vieille radio et deux bustes en pierre sont probablement des ancêtres de la famille. En fait, il y a un truc qui craquait dans la maison et j'entends... Écoute. Je sais pas si vous l'entendez bien. Attends juste toi, écoute. Attends. Vous l'entendez? C'est glauque. C'est tellement glauque en vrai. Une pile de vieux livres, la plupart d'entre eux ont plus de 100 ans. Mrs. LeGrand, pardon me for barging in like this, but I need that box. Un livre d'histoire qui parle aussi bien de la famille LeGrand que du manoir Amsberg. Il est beaucoup plus ancien que celui que nous avons trouvé à l'université. What the fuck, fait quoi la vieille ici là? Oh, go la caler, non? Prends un flingue, bah, balle dans la tête, ça part de la direct. C'est comme si le temps s'était arrêté dans cette maison. Elaine LeGrand Amsberg, boîte à musique en main, complètement innocente de ce que l'avenir lui réserve. Genre Elaine, c'est sa sœur, hein, je crois. Je sais plus. Ah, Trixie, c'est tellement ça, gros. Non, mais je vais pas lui parler, vous êtes fous, quoi. Pas voir cette porte. Pas voir cette porte. Y'a une porte là-bas? Ouais. Pas voir cette porte. Allez, je me pète. Dès qu'on a fini ce jeu, MHD. La vieille, je vais même pas la calculer. Je lui parle même pas, la vieille. T'es malade ou quoi? Avant de commencer à fouiller la maison, je devrais trouver Ariana et lui poser des questions sur la boîte à musique. Ah, mais genre, on est obligé de lui parler à la vieille. Mais derrière, putain, mais tourne-toi! Argos le grand et sa fille aînée. Elle a une, ouais, ça, c'est l'aîné, hein.
Genre, Arena, c'est la petite. C'est la cadette, je crois. De quoi parle cette peinture exactement? On peut ouvrir la porte. Non. Ça s'ouvre pas. Bon, bah, les gars. On avait parlé à Arena Grande, hein. Tu dis même pas bonjour à mamie, c'est pas bien. Putain, mais tais-toi, putain, avec ta mamie, là. Box I gave you. Oh, le creeper, I need it. Please tell me where it is. Its box is upstairs. Thank you. I promise I'll free both of us from that cursed thing. Upstairs, Mr. Neuer. In my room. There. It doesn't like the light. J'avais peur qu'elle me lâche un. J'avais peur qu'elle me lâche un. In my room. J'avais trop peur, gros. Mais déjà la vieille là. Tu veux pas que le manoir il tombe en lambeau, tu veux pas te péter d'ici? Okay, the box is somewhere on this floor. Cette maison, même les coins et recoins les plus confortables ont l'air sinistres. Mais ouais, putain, brûle la maison et pète-toi. Bon. Brûle un tapis, ça brûle les murs, ça brûle tout et tu te pètes. Je peux voir la cour qui débouche sur l'entrée principale d'ici. Les effets de folie d'Argos le Grand sont toujours présents. La mer, ouais, faut que je trouve les cachettes, ouais. T'avais pas de carte, frère. Le personnage d'une petite fille, le nom El-Ain apparaît à plusieurs reprises. Il y a tellement de poussière sur les feuilles qu'on peut à peine en deviner les couleurs d'origine. Elles sont probablement là depuis des lustres. Je sais pas si on entend la musique, comment elle est belle la musique derrière. J'aime beaucoup la musique derrière. Bienvenue chez Jardiland, t'es un bâtard. Elle a une le grand Asberg avec Ariane dans ses mains. Bah, tu vois, c'est sa petite sœur. Sa petite sœur en fait. There it is. I see it next to the mirror. Les gars. Genre comme j'expliquais hier, bon je vais te l'expliquer parce que ça prend 30 secondes et c'est ok. En fait, je peux pas écouter à chaque porte, en fait, il faut vraiment que j'ai l'icône de l'oreille au niveau de la porte. Tu vois quand je m'approche de la porte, tu vois, et là j'ai que le A pour l'ouvrir, tu vois. Mais j'ai pas l'icône de l'oreille avec le Y. Et si je l'ai pas, c'est que je peux pas écouter à la porte. Très souvent, tu sais, tu me vois, avant d'ouvrir une porte, je me colle à la porte comme ça. Et je l'ouvre pas de suite, parce que je rate si j'ai pas le Y pour écouter à la porte en fait. J'ai vu First Strike, t'as vu ça ou pas? J'ai trouvé la truc direct.
pas l'ouvrir, ok. Une épaisse couche de poussière sur le matelas, il semble toujours légèrement déformé, même si quelqu'un... Comme si quelqu'un avait dormi dessus il y a longtemps. Pourquoi Bérénice presse garde elle-même? Attends, juste un truc, t'inquiète, c'est pas grave, Gougou, aucun problème frérot. Genre, je dis ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais Snake, écoute, pourquoi t'écoutes plus aux portes ?» C'est que je peux pas écouter aux portes tout le temps, en fait. Il faut d'abord que j'ai l'icône de l'oreille, sinon je peux pas écouter aux portes tout le temps. Attends, juste avant de continuer ici, je vais voir c'est quoi les autres portes. Logiquement, elles sont fermées. Ça s'ouvre pas. En fait, j'avais un choix sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 portes et j'ai pris la bonne porte. C'est insane en vrai. Moi j'avais un choix sur 2, j'ai foiré, mais bon, j'ai quand même eu la bonne porte, mais en vrai c'est ouf. Je reconnais, c'est le chemin vers la mort. Ok, go. L'ouvre pas. Non, l'ouvre pas. Non ! Il va le faire. Attends, il y a encore l'ascenseur ici ou pas? Ouais. Ah non, il n'y a pas l'ascenseur. On dirait une gaine d'ascenseur géante. Est-ce que là que Bering's Pressguard c'est de se retrouver? Ouais. Mais en fait, il y a la cage, mais il n'y a pas l'ascenseur. En fait, il a fait le rituel qu'a fait le mec, là, vous vous rappelez? Express Guard, devrais-je frapper? Non. Attends. Je pense que je dois éteindre les lampadaires avant de pouvoir ouvrir la porte et me rendre là. Mais comment je les éteins? Genre, je suis Spider-Man? Argos le grand, frappe avant d'entrer? Ok, Argos à droite, Bérénice à gauche. Est-ce qu'il y a d'autres portes? Je pense pas, hein. Ah, là. Isaac Farber. Ok. On frappe chez qui, les gars? Ah, là aussi. Sébastien P. Usher, ok. Ok. On tape chez Bérénice d'abord. Parce que Bérénice avait les réponses. Hein. Bérénice avait les réponses. Dr. Prestigard. Ah, je contrôlais maintenant. Putain, elle bouteille, faut qu'elle arrête de tomber là, putain.
There's still two patients who haven't heard the song, but I don't remember who they are. Il y a deux patients qui n'ont pas encore écouté la musique. A solar eclipse towering over a great expanse. Have you seen anything like that in your dreams? Cette machine jouera des mélodies dans la cellule de mon choix. Je dois faire mon choix avec soin. Wow. A solar eclipse towering over a great expanse. Have you seen anything like that in your dreams? No. Have you recently dreamed about an eclipsed sun? No. Ariadne, are you there? He always lies. The man next door. He always lies about his dreams. Si le patient de la cellule voisine, moi t'es toujours sur son rêve. C'est-à-dire, donc le 5 l'a écouté. Donc le 5 a écouté. Have you recently dreamed about an eclipsed sun? You recently dreamed about an eclipsed sun? No. Donc 5 et 1 et 5. Genre le 1 n'a pas répondu. Non, attends. Je pense que c'est la 4. Pourquoi la 4? Mais la 4, les gars, c'est... C'est Ariana Grande. Rien n'a dit que le patient dans la cellule voisine mentait toujours sur son rêve. Mais alors tout ce qu'il dégage. Le mec, t'es genre, le mec zéro scrupule. Allez, vous faire enculer, c'est bon. Allez, tout le monde. Allez. C'est ma mère. Ils ne doivent pas s'échapper. Docteur Bérénice Prestgard. On fera écouter la musique de la boîte à musique d'Adriana à 6 sujets. La procédure a déjà commencé. 4 de ces sujets ont déjà écouté la musique et les effets sont surprenants. Ariana, la patiente témoin, n'a présenté aucun changement après avoir écouté la musique dans sa cellule. Et pourtant, les deux autres sujets, enfermés dans les cellules en vis-à-vis, ont commencé à parler d'un rêve dans lequel
Il voit un endroit sombre sous une éclipse de soleil. Seul l'un de ces deux a entendu la mélodie. Il est possible que l'autre ne se soit pas produit de plusieurs suggestions. Le patient y a relayé la description en dessous de la bouche de son homologue. Par ailleurs, plusieurs sujets participant à l'expérience ont placé des bougies dans leurs cellules. Bien que tous n'aient pas discuté les mélodies, nous supposons qu'ils imitent simplement ce que font les autres participants dans les cellules vis-à-vis. Pour une raison ou une autre, les valves du système audio explosent lorsque on joue la chanson dans une cellule. Et il n'en reste plus que trois. Nous devons continuer avec les deux autres. Ils ne doivent pas s'échapper. Attends, pour une raison ou une autre, les valves du système audio explosent lorsqu'on joue la chanson dans une cellule. Et il n'en reste plus que trois. Ouais, il y en a une qui a pété, donc plus que deux maintenant. Plus que deux. Moi, je dirais la 5. Attends, ils ont dit... Ils ont dit dans le document... Par ailleurs, plusieurs sujets participant à l'expérience ont placé des bougies dans leurs cellules. Bien que... tous n'aient pas écouté la mélodie, nous supposons qu'ils imitent simplement ce que font les autres patients dans les cellules en vis-à-vis. Donc ça voudrait éventuellement dire que ceux qui ont des bougies allumées, ok, c'est des patients peut-être qui ont... Ouais, le 5 c'est un mytho. Le 5, genre le 5 qui recopie ce bâtard. Le 5 qui recopie ce bâtard. Patient ne répond pas. Lui, je l'ai canné. Donc lui, c'était le bon. Lui, il y a des bougies. Trois et cinq, je pense. La réflexion du jeu est vraiment géniale. Ah mais dude, les énigmes dans ce jeu sont incroyables. Et encore, t'as rien vu, ça c'est pété, c'est nul celle-là. Mais les énigmes dans ce jeu sont incroyables. Et la 5. J'espère qu'Arena ne nous a pas menti les gars. Salut Youssef. Salut le 3. Dit qu'il avait pas rêvé de l'éclipse. Mais il a menti. Ah, c'est bon. C'est bon. Attends, j'ai foiré? J'ai raté ma chance, frapper de nouveau serait inutile. Oh, j'ai foiré, ça veut dire? T'as foiré. C'est vrai? Merde. Isaac Farber, on va taper chez lui. Merde. Isaac! Première fois qu'on joue avec lui. Ok. Ah, ils ont tous des ennemis, mais il faut que je réussisse, c'est ça? Sinon, son empatage serait éteint. Oh non. Ça va être le zoo. Ah, c'est trop stylé. Je suis tellement fan des ennemis. Attends. Mais du coup, ça voudrait. Du coup, c'était qui, du coup, le dernier? C'était pas le 5. T'as foiré le 5, il a vu Ben écouter la musique avant.
Ça voudrait dire que c'était Ariana le dernier. C'est pas possible. C'était le 4 le dernier. Pourquoi le 4? 1, 3, 4. Ok, pourquoi le 4, les gars? Putain, je vais recommencer juste pour voir le truc. Pourquoi le 4? Du coup, le premier... Oui, le premier était bon. Le premier, le deuxième, c'était bon. Le 1 et 3, c'était bon. Mais c'était pas le 5, apparemment, c'était le 4. Mais pourquoi le 4, du coup? Ah, du coup, c'était Ariana. Mais pourquoi Ariana? Parce qu'elle a pas allumé les bougies? Le 4, c'était Ariana. Parce que quoi? Parce que du coup, en fait, elle avait pas allumé les bougies, c'est ça? Mais ils avaient dit qu'en fait... Attends. C'est trop simple de dénoncer. C'est sa boîte, Snake. T'as dit en gros que son voisin, il ment. Et comme il dit qu'il n'a pas vu l'éclipse, ça veut dire qu'en fait, il a déjà entendu la musique. Faire écouter la musique à ceux qui n'ont pas écouté la musique. Oui, j'ai compris. Mais le 5 avait dit qu'il n'avait pas vu l'éclipse. Ah, on a bluffé. Ouais, je sais pas. Bon, tu sais quoi, vas-y, go se pendre, nique sa mère. Attends, fais pas de la merde, gros. On va tout niquer encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois échapper à ce cauchemar. Je dois tous nous sortir de cette folie, quel que soit le prix. Sans bougie égale pas de lumière égale éclipse. Je sais pas. J'en ai aucune idée. J'avoue que j'ai pas compris celle-là. Ouais, j'ai foiré. Peu importe. Wow! Je dois repérer où sont les corps, c'est ça? Je peux prendre un screen vite fait. C'est le mec qui nique le jeu. Je peux prendre un screen pour être sûr. Ok, il est là. Il est. Ah. Là. Il est là. Il est là, chat, on est d'accord. Hein. Chat, on est d'accord qu'il est là. Chat, on est d'accord qu'il est là. Non. Ah. Comme ça, non. Oui. Recheck, ok. Regardez bien. Genre, moi je dis qu'il est. Genre, là où je suis. Ok, ici. D'accord. Et il me regarde comme ça, ok. Vous êtes prêts? Regardez. Retenez, hein. Retenez la position que j'ai donnée. Tu vois? Ok? C'est bon? Ok. J'active. Les énigmes sont incroyables. Les énigmes sont incroyables. Ok, ça c'est bon. Ok, next. Ok, il y a 3 appareils photo, c'est ça? Ou 2?
Vas-y, mais putain, mais on peut pas. Pourquoi il filme vers le haut? Attends, le truc ira vers la gauche, hein. Ça fait tellement dur à voir maintenant. C'est tellement dur. Ça se reset, non, ça c'est pas reset. Quand tu prends une photo, ça se reset. Ok, man. Ouah, ça, gros. Bah, il est devant l'objectif, gros. Attends, mais pourquoi on voit pas les autres? Ah, si, on voit les autres aussi. Ah, d'accord. Donc, en fait, faut arriver à entrecouper les photos pour savoir où se trouvent les cadavres, en fait. C'est ça, le truc. C'est qu'en fait, comme dans chaque photo, tu vois les autres cadavres où ils sont, donc, en fait, en entrecoupant, en fait, les différents points de vue, arriver à trouver où sont les cadavres. En vrai, on peut prendre un screen. On peut prendre un screen ou pas? Non? Chat, on peut prendre un screen vite fait? Est-ce qu'on peut screen? J'ai le droit de prendre un screen? Vous m'autorisez à prendre un screen? Non? Faut qu'on fasse un screen? Ok. Ok. Putain, c'est tellement. En fait, c'est tellement compliqué de. De pas. Non mais je sais, lui là, celui que je suis en train de regarder, il est là, juste là. C'est lui là. Celui-là. Le gigouin, c'est celui-là. Voilà, ok. Le deuxième, il est là. Deuxième, il est là. Le troisième, je sais pas où il est. Il est pas là. Attends. Il est derrière lui. Ouais, d'accord, il est derrière lui. Attends. Bah oui, il est derrière lui en diagonale. Ouais, c'est ça. Donc t'en as un là. Pousse-toi. Ouais, c'est ça, j'avais raison. Il est derrière lui. T'en as un là. Ouais, sinon on l'aurait vu, ouais, d'ouf. Ok. J'en ai un là. Nice. Et j'en ai. Un là. C'est celui-là, chat, hein. Ouais, c'est bon. Chaque énigme est à une lumière. Oh my god. The lantern blew out. If I could just do the same with the rest. Mais du coup, je peux pas retourner voir Bérénice. C'est mort, elle est morte, hein. Ok, ouais. Donc j'ai vraiment faut. Ok, donc en fait, il m'en reste. Faut que j'en réussisse encore deux. Les gars, faut que j'en réussisse encore deux. Quatrième. Non, il m'en reste deux restantes. Ok. 1, 2, 2. Non, 4. Attends. 2. Il y a 4 énigmes, on en a fait 2. Il m'en reste 2. Pêcheur, let's go. This can't be real. Mr. Husher. Je pense qu'en fait, ils en ont mis une en plus. En fait, celle que j'ai fail, genre, c'était une bonus. Là, j'ai plus le droit de me fail maintenant.
Genre celle que j'ai fail en fait c'était une en plus au cas où en fait genre bah je me failais en fait tu vois. Mais là j'ai plus le droit de me fail maintenant. Là les gars il va falloir genre réfléchir bien comme il le faut. Star Jésus. Waouh. Les gars j'ai envie de pisser. L'histoire de ma famille, de toutes les personnes qui ont résidé dans cette maison. Ah ouais, donc le mec il s'assied dos au truc. Pasha wrote. Marcia had not found the way out. Suivez. Trapped and alone in her room, the darkness loomed over her. Where did she seek refuge? Non. Merci. Merci Brick Hope pour les 6,60€. Les 66,60€. Oh non. Non. Les gars, oh my wa, Spiritus Madnus, Satanus Madnus. Non, not like this, chat. Attends, les gars, je vais juste couper. En fait, pour une seule raison, c'est parce que, en vrai, je vous explique. En gros, comment on vire le... Ok, faut juste faire ça en fait. Ok. J'ai reçu un ban de... Enfin, un ban, un avertissement de Twitch, ok. Et j'ai un peu chaud. Non, pas du tout. Non, en fait j'ai reçu un avertissement de Twitch, tu vois. Et si vous voulez, je pourrais vous le faire lire demain ou quoi. Et ils m'ont dit, il va falloir te calmer avec les sons copyright, etc. Et en fait, ils veulent juste pas du tout... C'était Black Zero. Donc du coup, on va éviter. Du citron, les gars. Du citron pour les détox. Je vais pisser, j'en viens. Je suis en palais. Merci, Brick Hope. Faites-moi meilleur de cœur dans le chat, please, pour Brick Hope, les gars. Merci pour les 66,60€. C'est juste que... En fait, si vous mettez des musiques copyrightées, mettez juste des musiques genre... Enfin, si vous mettez des musiques dans le player, mettez juste des musiques non copyrightées, ok. Je vous aime et je vais pisser, je reviens. Hey, cherchez la réponse, hein. J'attends. Quand je vois, je veux la réponse.
wa. Oshineiru. Oshineiru. Ok. Réponse. C'est quoi, les gars, s'il vous plaît? Allez, on se travaille, s'il vous plaît. C'est quoi, selon vous? Okay. Ah, vous avez mis de la pub. Qu'est-ce que de la pub? Tiens, des pubs. Ah, je peux mettre de la cinématique. C'est un coup. Je peux pas la rejouer, en vrai. Hein. Je peux pas la rejouer. C'est fini. En fait, en gros, c'est écrit là. C'est écrit, Marsha n'a pas trouvé la sortie, piégée et isolée dans sa chambre. L'obscurité a surgi au-dessus d'elle. Où s'est-elle réfugiée? Moi, j'aurais tendance à mettre le suicide. Elle s'est canée. Merde, attends. Merde. This is not what happened. Pas suicide. Bible ou alcool. Est-ce que les gouttes là sur la feuille peuvent nous aiguiller un petit peu? What the fuck? Il va vivre ce jeudi. C'est quoi ce son encore de mort? Vas-y, saigne, je veux te voir en morceaux, je te traquerai jusqu'à la mort, ta mort sera aussi douce que les enfers. Dors, mon ange insipide. Mais moi, je veux pas de mal, hein. moi, vous savez, je veux pas de problème, hein. Je sais pas qui vous êtes, mais voilà. Tu sais, mec, j'ai pas compris. Je sais pas qui vous êtes, hein, mais monsieur, faut me laisser tranquille, sinon j'appelle la police, hein. Arrêtez. Merci, Blago, pour les 50 balles. Lui, il envoie 50 balles comme si c'était genre 5 euros, tu sais. Il envoie des 50 balles comme si c'était des 5 euros. Je crois que c'était vraiment dangereux. C'est un son qu'il a envoyé. Merci beaucoup, Break Hope, les gars. 50 balles. 116 euros de donation. 116 euros de donation. 116 balles de donation. Qui dit mieux? À qui le tour? À qui le tour? Bref, Jou, alcool ou Bible? Vous avez un livre sur son lit? Donc c'est Bible, les gars. Il y a des gouttes sur papier, je dis alcool. Ouais, mais en fait, apparemment, il y en a qui ont vu un livre sur son... Un livre sur son lit. Et du coup, ça pourrait être genre Bible. Je sais pas. On essaie Bible? Vous voulez qu'on essaie Bible? Alcool, ça paraît trop facile. Ouais, c'est ça, parce qu'ici, ils ont mis des... Attends, c'est quoi, vas-y, Bible. Marsha sought refuge in her old Bible. Merci. However, no prayer could stop the shadows. Ok. Merci, chat, je vous aime. Donc, il faut vraiment bien observer. Ok. Julia found the impossible door again, but this time it was ajar. What did she do? Oh putain. J'ai mal vu. Elle est entrée. Julia a encore trouvé la porte impossible. Mais cette fois-ci, elle était entrouverte. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée, elle est partie, et elle appelait maman. Apo, je rigole, Apo, c'est une blague. Apo, calme-toi, frérot. Putain, Apo. Apo, on a fait du UFC cet après-midi, t'étais pas là. Apo, le UFC, ça a tellement changé, gros. Le UFC, c'est devenu tellement lourd, gros. T'as vu le même match ou pas? T'as vu le match de EFT? Vous pensez qu'elle a appelé sa mère? Je pense pas. Appelez maman, vous croyez ces ans? Il y en a qui comprennent pas. Il y en a qui met la Bible.
la putain de ta mère, y a pas la Bible là. Gros, c'est soit entrer, soit partir, soit appeler maman, putain, y a pas de Bible. L'alcool. Ils comprennent rien. Ils comprennent rien. Hey, vous me tuez. Franchement, les réponses naves comme ça, c'est tellement marrant en vrai. C'est tellement marrant. Non, on met quoi, les gars? Vous pensez que c'est quoi? Vous voulez. Attends. Ça se voit, elle voulait. Menacer. Quand quoi? Mentait? Je comprends rien. Attends, t'as dit quoi? Si, parce qu'elle voulait qu'elle voit qu'elle mentait pas à sa mère. Oh, par contre, faites des phrases simples. Je suis grand. Sujet verbe complément. Pas trop compliqué, ok? Elle est entrée? Mais tu me diras, la porte était entrouverte, les gars. Attends, dans l'épisode de la maison avec la porte, quand la fille a trouvé la porte, elle a dit qu'elle appelait sa mère. C'est vrai? Ok, je vous fais confiance, les gars. Non! Non, c'est pas ce qui s'est passé, putain! Donc je pense qu'en fait, je pense qu'elle est rentrée en vrai. Je pense, les gars, la porte était entrouverte, je pense qu'elle est rentrée en fait. Les gars, on n'a pas droit à l'erreur. Hein. C'est ça ou pas? Ah, faut d'abord enlever, oui, c'est vrai. J'ai dit, ah, attends, mais on peut pas se tromper en fait. Julia entered, wanting to leave it open. Great was her horror when she discovered that once on the other side, the door had disappeared. Ok, c'est ça. Usher wrote. Catherine and Saul were locked in the bedroom when suddenly the door began to open. Then Catherine took. Elle a pris. Ah, j'ai pas fait attention à ce qu'il y avait sur le décor. Putain, c'est chiant, faut vraiment faire attention à ce qu'il y a sur le décor, les gars. Est-ce que vous avez une batte de baseball ou un truc comme ça? Plouf, plouf, ça sera toi que je choisirai au bout de 3. 1, 2, 3. Allez, ça part de là. Merde! On recommence, on va recommencer. Oh shit, no! Attends, mais c'est vrai qu'il faut que je. Ah non, 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 j'ai rien à faire, je peux juste aller voir la vieille, c'est bon. Le temps presse, les gars, le temps presse. Faut qu'on fasse vite. Ah non, mais du coup, on va pouvoir. Non, mais, la métapouffe, elle a pas marché. Hein. La métapouffe, elle a pas marché, les gars. Je suis triste. Genre, avant, elle marchait tout le temps. Merci beaucoup, Biohazard, pour les 2 mois. Merci Raoul le mouton, merci pour les 10 mois. Merci Merida pour le Prime, merci Best of Silo pour les 14, merci Kratos pour les 15, moi c'est le tier 3. Ah, on commence pas tout, trop stylé. Allez, 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 allez. Malumulul. Du coup, est-ce que chef, enfin des réponses au pif là. Non, c'était pas au pif, j'ai plouffé.
What's this place? Where am I? Huh. Where am I? Ok. Dear God. What is this hideous place? Ça, je vais refaire elle. Dr. Prestigard. Ouais, en fait, t'as trois chances, ouais. Un, deux, ouais. Still two patients who haven't heard the song, but I don't remember who they are. Okay. Un, il répond pas. Have you recently dreamed about an eclipsed sun? Okay. Un, c'est bon. Have you recently dreamed about an eclipsed sun? No. Trois, c'est bon. Have you recently dreamed about an eclipsed sun? Ok. Ariadne, are you there? He always lies. The man next door. He always lies about his dreams. Ok, 1, 4. 1, 4, 3, c'est ça? 1, 4, 3. C'est sûr. Et toi, Alice, comment ça va? Bonsoir, frérot. Ok. Oui, mais c'est bon, c'est que c'est bon en fait, Van. C'est bon, c'est que c'est ça. Et donc, donc moi j'ai fait 5, ça marchait pas. Donc, vous pensez que c'est 4, c'est ça? Vous êtes sûr que c'est 4? Première fois, parce que je suis mort, Rewind, je suis mort. Vous êtes vraiment des cons. I need to open this door. I have to, or I'll be stuck here forever. Mais c'est sûr, c'est pas ça. Putain, tout ça pour rien. Casser les couilles. J'sais pas pourquoi je vous écoute en fait. Mr. Papa? C'est le 2. Ah bah maintenant c'est le 2. Ah bah oui, maintenant c'est le 2. Ah oui, donc vous c'est ce que vous voulez en fait. Les gars, on peut plus se foirer là. J'aurais pas dû faire celui-là, j'aurais dû faire l'autre d'abord. Je suis trop con, putain. J'aurais dû faire l'autre, c'est comme ça si on s'était foiré. Trop époula. Trois lumières et rester allumé. C'est pas le 3, tu crois?
C'est quoi, je vais faire celui-là d'abord. Je vais faire Argus le Grand, genre, je l'ai pas fait encore. Argus le Grand. This is unreal. C'est le 200%. 1, 2, 1, 2, 3. Ah ouais. Oh, il est énervé, gros. Il est énervé. On est énervé. On est énervé. Ariadne. Ariadne, where are you? Ariadne, hold on. Dad is going to save you. Ariadne! Monsters! You won't take my baby away! Je vous baiser. They're just monsters. Baisse tout, baisse tout, baisse tout. Mais cette quête est nulle. Mais cette quête est nulle. Enfin, cette énigme était nulle. Bon, les gars, s'il vous plaît, on se trompe pas. On se trompe pas, les gars, s'il vous plaît. This can't be real. Mr. Husher? Non, mais lui, c'est que it can't be real. It can't be real. Eh, on dirait pas que son cuir, il a été moulé dans un moule à plastique. Ah non, vous avez pas vu. Eh, son cuir, on dirait qu'il est moulé dans un moule à plastique, tu sais. Avec les petites rainures et tout. Alors, c'était quoi déjà l'ordre, les gars, s'il vous plaît? C'était quoi le premier? Le premier c'est la Bible. Deuxième c'est. Husher wrote. Ouais. Marcia had not found the way out. Trapped and alone in her room. Bible. The darkness entrée. Loomed over her. Where did she seek refuge? In the Bible. Merde, je vais coller à l'envers. Marcia sought refuge in her old Bible. However, no prayer could stop the shadows. Husher wrote, Julia found the impossible door again, but this time it was ajar. What did she do? Elle est clairement rentrée. Julia entered, wanting to leave it open. Great was her horror
when she discovered that once on the other side, the door had disappeared. Usher wrote, Catherine and Saul were locked in the bedroom when suddenly the door began to open. Then Catherine took... Ouais, Saul. Son fils, en fait. Parce que j'ai regardé, il n'y a pas de ciseaux. À moins que, genre, il y ait sa fille avec qui elle aurait pu faire des... Oh non, putain. Non, Saul, c'est Saul. Je suis sûr, c'est Saul. Catherine ouais. took little Saul in her arms. She couldn't comfort him or stop that thing that was lurking beyond the threshold from entering. So... Hein? Catherine prit le petit Saul dans ses bras. Elle n'a pas pu le réconforter ni empêcher d'entrer la chose qui guettait sur le seuil de la porte. Bah, ils se sont embrassés. Parce qu'elle pouvait rien faire. Elle pouvait pas s'enfuir. On est d'accord? Parce qu'il y avait qu'une porte. Donc ils se sont embrassés. Les gars, c'est embrassé ou pas? Et les gars, j'ai pas envie de tout recommencer. Hein, donc là, vous me dites la réponse. C'est embrassé ou pas? Bah oui, genre, elle l'a embrassé. C'est son fils. Et vu qu'il pouvait pas s'enfuir, bah forcément... S'enfuir? C'est vrai? Et par où? La Bible. Putain, mais il recommence. Oh non, putain, ils ne suivent rien. Mais ça, il n'y a pas d'issue. Donc en fait, ils se sont forcément embrassés. La grenade. Tu vas te s'embrasser ou pas? La 4. Ok. Then they hugged each other and said the last goodbye before the darkness swallowed them up. Et retour à la case départ. Échappez-vous de là. Oh my god. On se pète.
Il fait quoi? Il fait quoi? Merci beaucoup, Mickey, pour le sub. Attends, je peux dire au revoir à Ariana? Ariana, nique ta mère! Je sais pas si elle est encore là, je pète. Mais c'est bon, je lui ai dit. Mais c'est bon, je lui ai dit, on se barre. Oh non. Ça veut dire qu'il faut que j'aille la voir pour de vrai. Ok, j'ai rigolé pour tout à l'heure, ok? C'est pas ce que je voulais dire. Everything will be okay, Mrs. LeGrand. Ah, and that song will never play in this world again. I must have fallen asleep. Mais il est con, lui. What time is it? It's getting late. Do you mind if I turn on the light? No. It doesn't like the light. What? No. But it likes the song. En fait, c'est des mecs qui sont morts et qui veulent sortir. Mais attends. Si j'ai bien compris, ça veut dire que la vieille là, c'est pas Ariana Grande en fait. C'est Elaine ou je sais pas quoi. Parce que du coup, le père, dans sa folie, il a tué le bébé. C'est ça en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est sa grande sœur en fait. Et la boîte qu'on est parti d'Ej, en fait, c'était la boîte de Ariana. Mais Elaine, elle avait sa boîte aussi, en fait. What? Mais le jeu, il est insane. En gros, il y a plusieurs niveaux de compréhension, ok? Mais je pense qu'en vrai, en fait, tu le vois. Le père, tu sais, dans les rêves là, tu vois que le père, en fait, il prend la masse et il tue, en fait, dans sa folie, il tue le bébé. Il tue, en fait, Ariana, tu vois. Du coup, ça voudrait dire que Ariana, retour à la case départ, tu t'attends à quoi, Snake? Mais ouais,
Mais... Wow, mec, mais quel jeu! Et l'ombre, c'est le bébé, en fait. L'entité, je pense, c'est le bébé. Et c'est pour ça, en fait, que l'entité ne fait rien à Hélène ou je sais pas quoi. Parce que Hélène, en fait, a toujours voulu prendre soin du bébé, tu vois. Elle a toujours pris soin d'elle, elle a toujours pris soin d'elle. Du coup, c'est pour ça qu'elle ne fait rien. C'est pour ça que, enfin, c'est pour ça que Ariana ne fait rien à Hélène, enfin, et qu'elle attaque pas, parce que en fait, genre, même elle lui dit, elle aime pas la lumière, elle préfère la musique, tu vois. Et du coup, parce qu'en fait, elle a été bercée depuis sa putain d'enfance avec cette musique-là, tu vois. Et comme du coup, elle a grandi, enfin, entre guillemets, elle était bébé, mais en fait, elle a toujours grandi avec ça. Quand le père l'a tuée, en fait, du coup, c'est devenu elle, en fait, le truc. C'est insane. L'entité la plus grande, c'est Ariana Grande. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, qu'elle attaque pas sa sœur. Parce que du coup, en fait, il y a que sa sœur qui prenait soin d'elle. Tu vois? Damn, quel jeu! Il est incroyable. C'est beau de voir quelqu'un qui comprend un truc sur l'instant. Ah bah oui. Mais moi j'ai l'habitude de voir des films et des séries comme ça, genre Manfuck, tu vois. Mec, j'adore ce genre de fin. C'est des fins qui sont incroyables. Mais en fait, il y a plusieurs niveaux de compréhension. En fait, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Et tu peux comprendre un truc, mec, un peu comme bon te semble, comme tu veux, mais en vrai, je trouve ça insane. Moi qui comprends rien. Le musique, c'est qui le relie toutes les dents. Ouais, c'est ça. En fait, la mélodie, c'est un peu ouais, ce qui les lie ensemble, tu vois. Ouais, c'est ouf. Mais maintenant, j'ai envie de refaire le jeu maintenant pour tout comprendre. Je vais pas le faire, tu vois, mais vraiment... Oh, quel jeu! Pourquoi j'ai deux emplacements? Quel jeu! Mais moi, ce que je veux savoir, c'est... Est-ce que ça boucle? Non, ça boucle pas, on est d'accord. Genre, l'histoire ne boucle pas. C'est une histoire unique. Genre, Daniel est mort, en fait. Il va pas se réveiller le vendredi. On est d'accord. Du coup, il y aura un 2. Je sais pas, mais j'espère que... J'espère qu'ils feront pas juste de la merde. Souvent, tu sais, ils font des 2, mais les 2 sont éclatés. J'espère juste qu'ils resteront sur un truc comme ça propre, de ouf. Le jeu est incroyable, le jeu est excellent. Mais moi, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. Juste, c'est peut-être, effectivement, genre, peut-être la fin qui est un peu mindfuck par rapport à la difficulté. Mais sinon, le jeu est insane. Je vais envoyer un mail au développeur, leur dire bravo. T'as vu, tiens, à la fin, c'était le début du jeu en vrai. Oui, mais c'est pour ça que je pose la question. Parce qu'en fait, à la fin, tu vois, genre, Étienne qui bloque la porte. Est-ce que c'est parce que au début, j'ai pris Étienne et que du coup, l'histoire, elle boucle? Ou, je sais pas. T'inquiète, il reviendra pour Halloween. De quoi? J'ai l'impression que ça boucle un peu comme la série Dark. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'en fait la fin c'est le début, tu vois. Parce qu'ils disent en plus retour à la case départ. Comme si en fait c'est genre il allait se réveiller et rebelote en fait. Je sais pas. À chaque fois qu'un perso mourait, la difficulté d'écouter augmentait. Non, pas vraiment. Non, les devs sont espagnols, je crois. Je crois que les devs, attends, option, y a pas crédit. D'où est-ce que j'ai débloqué? Ah, j'ai débloqué... Attends. Épisode. Non. Ok. Parce qu'en fait, une nouvelle difficulté, c'est HP Lovecraft, tu vois. Le niveau de difficulté... Le plus difficile, pas d'apprentissage progressif, pas de pitié. La présence va vous honorer avec toute son attention dès le départ. Et vous allez expérimenter les plus grands dangers nécessaires de terminer le jeu en M.R. James ou Edgar Allan Poe pour le débloquer. Ouais. Ouais. Vraiment un super jeu. Hein. Non, c'est Daniel, j'ai juste mort dès le début. Tu crois? Tu as la personne en fonction de ton choix au premier chapitre. Oui, c'est ça, Greg, c'est ça. Vu que dans le chapitre 1...
J'avais choisi ici, j'avais choisi Étienne, le Renoir là. Du coup, en fait, à la fin du jeu, tu vois Étienne qui essaie de bloquer la porte. C'est trop stylé. Dude, vous en avez pensé quoi, chat? Vous en avez pensé quoi du jeu? Je veux voir votre avis. Putain, mais dude, qu'est-ce que j'aime jouer à des jeux comme ça? Qu'est-ce que j'aime jouer à des jeux, tu sais, mais mindfuck à souhait. Mais en fait, maintenant, tu sais qu'il y a beaucoup de détails, je pense que qu'on a zappé et en refaisant le jeu, à mon avis, il y a beaucoup de trucs, tu sais, qu'on comprendrait en mode ah, ok, donc en fait, ça, c'est ça. Ah, mais donc ça, c'est. Dude, ce serait trop stylé. J'ai pas suivi. Oh, dude, va voir la rediff. Whisky va voir la rediff, frérot. Le jeu est incroyable. Un bijou pour moi. Ah, mais tellement. Tellement. Franchement, merci à toutes les personnes qui me l'ont conseillé, ce jeu. Merci à vous. Et genre, tellement heureux d'avoir joué un jeu comme ça. Hyper bien ficelé, l'histoire tient la route. Et c'est lourd. Ouais, mais il n'y a pas que l'histoire, tu vois. Même le gameplay fait penser un peu à Resident Evil, tu sais, les premiers, le 1 et le 2 et le 3. Les énigmes font beaucoup penser à Resident Evil. Mec, il y a des énigmes, elles sont incroyablement. Enfin. Difficile, mais tu sais, un peu technique, tu vois, faut réfléchir et tout. Et c'est. Je trouve que malheureusement, dans les jeux aujourd'hui, c'est un peu délaissé, tu vois. Le côté réflexion, où t'as des énigmes un petit peu, tu sais, tirées par les cheveux, il faut que tu poses un peu le problème et que tu sortes un paint pour résoudre. Tu vois, genre, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux qui délaissent ça. Et c'est dommage parce que, honnêtement, il y a matière à faire des jeux vraiment cool. Et j'ai trouvé que. J'ai trouvé vraiment que ce jeu allie vraiment tous les éléments, en fait, du bon jeu d'horreur. Genre, pas de jumpscare, tu sais, à foison. Genre, tu sais, des jumpscares juste quand il le faut, tu vois. Des petites frayeurs comme il le faut. L'ambiance qui est ultra pesante. Genre, incroyable.